C'est évidemment un plaisir de retrouver les parquets. C'était un manque pour tout le monde, je pense aussi bien pour les joueurs que pour les gens du staff. Donc c'est avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination et beaucoup de motivation qu'on aborde cette reprise et ce moment de préparation pour cette saison qui s'avère excitante malgré le contexte à travers la compétition de l'Eurocoupe et la compétition bien sûr de la Jeep Elite. Alors souvent, les phases de préparation passent par des aléas, des joueurs qui arrivent en retard, des joueurs qui se blessent. Donc là, c'est encore différent puisqu'on doit bien sûr s'adapter par rapport au Covid avec des mesures sanitaires qui sont bien sûr importantes et contraignantes, mais on doit passer par là. Et aussi par rapport à l'effectif, puisqu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir tous nos joueurs JFL et on n'a pour l'instant aucun joueur non JFL qui est présent à l'entraînement. Donc ça voudra dire que quand ils vont arriver, un déficit sur le temps de préparation, aussi bien sur le basket que sur le physique. On est tous logés à la même enseigne, tous les clubs. Donc il n'y a pas de choix que de s'adapter et de faire travailler déjà les gens qui sont sur place et qui ont la chance d'être là. L'avantage pour constituer l'effectif, c'est que j'ai eu beaucoup de temps pour le peaufiner, pour essayer de trouver les joueurs adéquats par rapport au projet qu'on voulait mettre en place. Donc déjà la première chose, et c'est un petit peu une nouveauté par rapport à ce qui s'était passé les dernières années, on a commencé par s'atteler à recruter des joueurs JFL et notamment des très jeunes joueurs. Donc les deux premières recrues qu'on a signées, c'est Yvan Février et Lucas Dussoulier, Lucas avec qui j'étais déjà en contact l'année dernière. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont signé sur des durées assez longues, puisque tous les deux ont signé sur 3 ans. Sachant que Damien était encore sous contrat pendant 2 longues saisons. Après, on a eu aussi la chance d'avoir Alpha qui nous a rejoint et qui a aussi signé lui sur 2 saisons. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, à travers les 9 joueurs qu'on a, c'est Damien Bouquet le plus vieux des 9 joueurs JFL, qu'il a 25 ans. Et surtout que je sais que dans le sport professionnel, on est souvent impatient et on veut avoir des résultats à court terme, mais il faut absolument qu'on soit en capacité, nous, d'être patients. Et de se dire qu'avec les joueurs potentiellement très intéressants qu'on a signés sur du moyen et long terme, il y aura peut-être une phase de découverte, une phase d'apprentissage. Donc nous, il faudra qu'on soit patient, mais le challenge est extrêmement excitant, parce qu'aussi bien Damien, qui avait fait une grosse saison, je parle pas d'Isaiah, bien sûr, qui lui était déjà sur une autre planète cette année, mais à travers Damien, il va continuer à progresser, à travers Lucas, Yvan, et Alpha, on a vraiment envie de les faire progresser au jour le jour. Et peut-être que ça sera au détriment dans un premier temps des résultats, mais c'est vraiment un gros projet. On a fait le choix d'avoir beaucoup de jeunes JFL, puisqu'on en aura 6 plus les 3 jeunes. On aura 9 joueurs JFL de moins de 25 ans. Et on a uniquement pris 4 joueurs non JFL pour encadrer cette équipe très jeune, essayer d'apporter de l'expérience sur ces 4 joueurs non JFL. Dans ce monde professionnel assez impitoyable en termes de transfert, en termes de négociations pendant l'intersaison, déjà la première chose, c'est que Brian avait une forte envie de revenir déjà depuis plusieurs temps. Donc j'ai considéré que c'est un joueur qui, de par son abnégation, de par son état d'esprit, allait nous apporter une plus-value, surtout par rapport à ce que je viens de dire, par rapport à la jeunesse de l'effectif. Et puis Chris Warren, on sait que il revient à peu près tous les 3 saisons. Ce qui est fantastique, c'est qu'après une grosse saison en Turquie, je ne pensais pas qu'il était dans nos cordes, pour tout dire. Et c'est la première fois, même si c'est un joueur que je connaissais, j'ai commencé à discuter avec lui à 12h. À 17h, il avait signé. Donc c'est vraiment un petit clin d'œil du destin, mais on s'est mis d'accord en 5h. Tyler Stone, c'est un joueur 4-5 qui a commencé sa carrière, qui a beaucoup évolué en 5, notamment lors de son passage en Grèce et aussi en Israël, et qui a fait l'année dernière vraiment une grosse saison avec Brindisi, que ce soit en championnat d'Italie où son équipe a fini plutôt bien classée. Et surtout, il a été impressionnant, c'est en BCL. C'est un joueur avec une grosse activité, avec des qualités d'explosivité, qui, je pense, sera capable d'évoluer en 4 et aussi en 5 quand on en aura besoin. Donc un joueur qui paraît assez complet, qui a fait peut-être des choix de carrière un peu surprenants, ce qui fait qu'aujourd'hui, à 28-29 ans, il n'a peut-être pas eu la carrière qu'il méritait. Mais encore une fois, quand on n'a pas eu les joueurs sous ses ordres,
C'est aussi un peu une découverte, donc il paraît très intéressant et potentiellement adéquat par rapport à notre style de jeu. En ce qui concerne Dallas, c'est très simple. On s'est mis d'accord après l'obtention de notre ticket pour l'Eurocoupe. Donc lui voulait absolument qu'on fasse une compétition européenne. Quelques jours plus tard, alors qu'il n'y avait pas de clause, parce que déjà c'est pas légal et absolument aucune clause, son agent m'a contacté pour qu'il puisse partir en Chine. Bon, on sait ce que ça veut dire. Ce qui veut dire la Chine veut dire contrat très lucratif. C'était un peu en décalage par rapport aux objectifs qui s'étaient fixés, notamment le fait de pouvoir à court et moyen terme rejoindre une équipe d'Euroleague. Bon, bien évidemment, on n'était pas très chaud parce qu'il fallait trouver un joueur capable de le remplacer. Donc même s'il y a beaucoup de joueurs en ce moment sur le marché, ça a été un long travail puisque les discussions ont commencé le 4 juillet et quasiment tous les jours, pendant le mois de juillet, j'ai essayé de trouver un joueur capable de le remplacer et on est arrivé à considérer que Dwight pouvait être une grosse opportunité pour nous et qu'il pouvait remplacer avec des qualités un peu différentes Dallas. Donc après, Dallas a hésité à se dire finalement est-ce que je veux partir en Chine, mais je crois qu'à un moment il faut aussi une certaine cohérence vis-à-vis du club. Donc il nous a absolument pas manqué de respect, mais je crois que quand on nous dit je veux plus partir, je veux partir, je veux plus partir, bon, ça devient compliqué. Donc on a considéré que Dwight pouvait aussi, de par son expérience, de par ses qualités physiques, être un très bon complément de l'équipe qu'on avait en place. En ce qui concerne l'effectif, donc on table aussi sur les jeunes joueurs du centre de formation, Florian Fortas, Victor, Samuel, qui a déjà fait quelques minutes avec nous en fin de saison. Et on a recruté un joueur potentiellement très très intéressant. Sur les premiers entraînements, il me fait très bonne impression, qui s'appelle Maxime Renaud, qui a joué avec Victor en équipe de France. Donc déjà, c'est intéressant pour la catégorie espoir. Et donc ces jeunes joueurs compléteront la 10e place du roster professionnel. Il faut savoir que, comme beaucoup de clubs, on n'a pas été épargnés par rapport à la masse salariale. Il y a une grosse diminution de la masse salariale. L'idéal aurait été d'avoir 10 joueurs professionnels, genre un Juszkiewiczus ou un Butterfield, pour vraiment complètement finir l'équipe. Mais le budget, il faut le respecter, ne nous a pas permis de le faire. Donc, quelque part, c'est aussi le moyen de lancer ces jeunes joueurs en qui on croit beaucoup. Je lui ai proposé d'être le capitaine de l'équipe. L'année dernière, il a fait une saison fabuleuse, qu'on a peut-être un peu moins vu, parce que malheureusement, alors qu'on était sur une grosse dynamique, la saison n'a pas pu se terminer. Pour moi, il était potentiellement MVP, dans les candidats MVP de la saison. Donc je crois beaucoup au fait qu'il continue sur la dynamique de l'année dernière. Donc le maître capitaine par rapport au projet jeune qu'on veut mettre en place, c'est aussi la logique. Donc c'est un garçon qui est appelé certainement à faire une très grande carrière. Et c'est un bonheur de voir qu'il continue d'évoluer encore cette saison sous les couleurs nantériennes. L'objectif de cette saison, c'est peut-être, on est souvent impatient, que ce soit le staff, que ce soit les supporters, que ce soit les fans. Mais j'ai vraiment envie de ne pas être trop impatient par rapport à ce début de saison, par rapport à ce que je viens d'expliquer, par rapport aux joueurs qu'on a sous la main. Alors bien sûr, on ne fait pas du tout l'impasse sur cette saison et on essaiera d'être le plus performant possible. Et l'arrivée de garçons comme Dwight ou comme Chris montre qu'on est capable d'avoir des ambitions. Mais le développement des joueurs qui sont sur des contrats à moyen et long terme sera la priorité du début de saison. Et de ce que je vois des premiers entraînements qu'on effectue avec les 9 joueurs JFL, on se régale avec Philippe et Franck parce que c'est une qualité de travail, une qualité d'écoute très nettement au-dessus de la moyenne. Donc ils sont certainement perfectibles, mais il y a vraiment beaucoup de motivation et beaucoup de détermination.